Mesurer l'inflation, c'est utile pour plusieurs choses. Derrière l'inflation, il y a une notion qui nous concerne tous, le pouvoir d'achat. Si mon revenu augmente de 100 euros, mais que ce que j'achète me coûte aussi 100 euros de plus, mon pouvoir d'achat n'a pas bougé, et ça, il faut pouvoir le mesurer. Tous les ans, le SMIC est d'ailleurs revalorisé en fonction, entre autres, de l'inflation. C'est aussi le cas des pensions alimentaires ou des loyers. Plus globalement, mesurer les prix est essentiel pour comprendre la situation économique et conduire les politiques économiques. En particulier, l'inflation est suivie de près par la Banque Centrale Européenne, dont la mission principale est de maintenir la stabilité des prix. Vous l'aurez compris, la mesure de l'inflation répond à beaucoup d'enjeux. C'est pourquoi un règlement européen définit précisément la manière de calculer l'inflation, ce qui permet les comparaisons entre pays.